Burke, nous avons perdu le contact avec la colonie LV-426. Prenez Gorman et son équipe pour mener l'investigation. Personne ne doit apprendre que la compagnie a délibérément contaminé la colonie dans le but de récupérer des spécimens aliens au-delà de la quarantaine ICC. Oui, monsieur. Il est aussi impératif que vous obteniez la confiance de Ripley. Connais le xénomorphe et nous aurons besoin de son aide pour en capturer un vivant. Bien compris. Bon, sachez aussi que les hommes de la division des armes biologiques ont l'ordre d'éliminer les intrus. Bien entendu, ils ne connaissent pas les objectifs de votre mission. Watson, passez par là. Bonne chance, Ripley. Système connecté, code de sécurité. Ça y est, nous y sommes. Prenez garde, les gars. Alors voilà, une intro, une fois de plus, hein, j'ai envie de vous dire, j'en bafouille, une fois de plus, une intro qui met dans l'ambiance sur PS1. Alors, bonjour à tous, c'est Pouich. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour Alien Trilogy sur la PlayStation 1. Alors, encore un jeu culte, même si peut-être il est culte, mais il y a peut-être moins de gens qui l'ont vraiment fait, celui-là. Parce que, mine de rien, on va y revenir. À l'époque, il n'avait pas une réputation non plus. En tout cas, dans les magazines, c'était un jeu qui n'était pas forcément très bien noté. Et à raison, parce qu'en fait, c'est un jeu qui a des défauts. Mais là, comme vous pouvez le voir, le Pouich a du mal à accepter la défaite. Donc, voilà, cheat code activé. On va faire un test. On va faire un test à la cool. On va simplement se mettre, voilà, les munitions illimitées. Alors, est-ce qu'on va se mettre toutes les armes? On a aussi le choix des niveaux. Alors, niveaux qui sont extrêmement nombreux. Regardez-moi ça. Il y a beaucoup de niveaux dans le jeu. Donc ça, c'est quand même appréciable. Alors, on va pas se mettre toutes les armes. On va démarrer le jeu, voilà. Donc, c'est un jeu... c'est un jeu culte. Il fait partie aussi des jeux très célèbres de la PlayStation. Alors, Alien Trilogy, vous vous dites, tiens, mais Alien Trilogy, est-ce que ce jeu aurait été fait par les mêmes développeurs qui auraient fait Die Hard Trilogy? Eh bien oui, exactement. C'est exactement ça. Ils ont été faits par... le jeu a été fait par Probe Entertainment. Et donc, c'est un FPS. Alors là, pour le coup... C'est un Doom-like, hein, donc le genre assez en vogue à l'époque, qui, bah voilà, avec la popularité de Doom, eh ben, il décide de faire un Doom-like et d'adapter, alors une adaptation, on va dire une adaptation plus ou moins des trois premiers films de la saga, même si vous avez vu dans cette magnifique intro que clairement on est sur... alors attendez... Faut faire attention, hein, parce que j'ai munitions infinies, mais le reste n'est pas infini. Donc, ils ont adapté les trois premiers films Alien. Alors, c'est une adaptation. C'est une adaptation à la cool. Hein. C'est un peu bizarre. Alors, qu'est-ce qui me fait? Parce que ils ont remanié des choses. Ripley a son look d'Alien 3 en permanence. Donc, elle a le crâne rasé. Chose un petit peu. Un petit peu incongru, un petit peu bizarre. En fait, l'aventure va être un peu remaniée comme ça. Bon, globalement, de toute façon, je vais vous dire le scénario, entre guillemets, on va pas vraiment le suivre. Hein. Ça va pas être... c'est surtout un jeu d'ambiance et un jeu, bah, tout simplement, où il y a les aliens. Oh, putain. Ah ! Alors, quand ils sont proches de nous... Alors, vous voyez, ils nous ont mis le radar... Alors, il est passé où cette petite merde? Radar auquel parfois on ne comprend absolument rien. Hein, vous serez d'accord avec moi?
sorti dehors. Vous avez vu passer. Vous avez vu passer un xénomorphe, une alien. Une alien qui joue au con. Alors, voilà. On a le fusil à pompe. Alors, on va affronter notre première alien. Ça va pas être la dernière. Alors, elles sont, voilà, comme vous avez pu vous en rendre compte à l'instant, elles sont très, très, très résistantes. Et le jeu est loin d'être facile puisque vous avez vu qu'il faut éviter les cadavres parce que l'acide de leur sang vous blesse. Ah putain, saloperie, c'est tiré l'enfoiré. L'acide de leur sang vous blesse. En fait, le jeu est assez hardcore. Hein. Il est aussi extrêmement sombre. C'est vraiment, comme je vous disais, c'est vraiment un jeu à ambiance. Moi, c'est un jeu, en fait, quand j'étais gamin, c'est pour tout vous dire, sur PS1, c'est le deuxième FPS que j'ai eu. Le premier étant, bah, bien évidemment, Doom. Donc Doom, j'ai déjà fait un test. Complet. C'est un jeu qui m'a fasciné. Le deuxième FPS que j'ai vu, c'était ce Alien Trilogy. Et pour tout vous dire, franchement, c'était un jeu qui me faisait peur. Parce que arpenter les couloirs comme ça, avec les aliens, le jeu est globalement très très sombre. Il y a une ambiance, je trouve, dans ce jeu qui est assez pesante. Alors, heureusement, très vite. Putain, d'où il est? Alors là, celui-là, je sais pas d'où il est sorti. Alors, est-ce qu'on en a dans notre dos? Ah, putain. Non. Ah, il y a... Ah, j'ai toute la famille, là. Ah. Alors, le fusil à pompe, il est vraiment cool. J'avais toute la famille alien sur le dos. Alors, je sais pas d'où ils sont sortis. Il faut faire super gaffe. Hein. Le jeu, comme je vous disais, est pas facile. Il est assez retors. Il est aussi très labyrinthique. Surtout qu'il est extrêmement sombre. Alors, celui-là, vous aurez du mal. Putain. Alors, vous avez vu, ils sont souvent planqués sur les côtés, comme ça. Alors, évidemment, la maniabilité hein, est relativement lourde. On est sur... Ah, putain, faut que je trouve la batterie. Alors, très souvent, hein, vous devrez trouver des batteries. En fait, c'est un jeu. Il y a plusieurs subtilités dans le jeu. C'est un jeu à objectif. C'est-à-dire, la plupart du temps, c'est pas comme dans Doom, où il faut tout simplement sortir du niveau à chaque fois. Hein. Là, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler juste avant, mais on le verra dans les prochains, c'est pas grave. Là, quand il y a un briefing, eh ben, en fait, il faut lire. Il faut lire ce qu'il faut faire pendant les temps de chargement, parce que ben, en fait, ça va nous aider à savoir comment trouver... Putain. Comment sortir... Ah! Alors, ceux-là, je sais pas d'où ils ont débarqué. Vous avez vu, hein? Parce que très souvent, ça va nous aider tout simplement à savoir... Oh, putain. Alors, vous avez vu, il y a quand même de l'ambiance. Là, avec les lampes qui clignotent. Quand ça s'ouvre... Oh, putain. Ah! Je vous dis, hein, heureusement que j'ai le fusil à pompe. Parce que avec le petit flingue, il faut je ne sais combien de balles. Donc je peux vous dire que les aliens, vous faites pas le malin. Là, je fais... Putain, je fais mon malinois parce que... Ah, putain. Je fais le malin parce que j'ai le shotgun. Mais sinon, je peux vous dire... Ah, je peux vous dire qu'on fait pas du tout les malins. Alors, je ne sais pas si j'ai ramassé la fameuse batterie. Je ne crois pas. Hein. Ouais, donc c'est un jeu avec des... Putain! Espèce de saloperie. Alors, très, très vite. Hein. Comme vous pouvez le voir, très, très vite, le sol devient totalement miné. Va falloir faire super gaffe. Alors, est-ce que... Alors là, on a la map. Donc ça, c'est bien. Est-ce qu'on a la batterie? A priori, on a récupéré une batterie. Donc ça, c'est bien. Vous voyez, en appuyant sur Start, on a un menu avec les armes. Avec les armes qu'on a. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas énormément d'armes. Ça, c'est vrai. 1, 2, 3, 4. On n'aura que 5 armes dans le jeu. C'est pas énorme. Mais tout de même, ça fait le taf. Et c'est respectueux de ce qu'on connaît de l'univers Alien. À ce moment, au moment de la sortie du jeu en 96. Hein. Donc, on a l'émission. Voilà, le fameux briefing. Vous devez dégager l'entrée pour faciliter le passage des Marines. Déplacer ou détruisez les caisses. Donc là, on a nos objectifs. On a la map. Donc, d'ailleurs, on va aller à la sortie, hein, c'était par là. Hein. On a la map, donc on est quand même aidé. D'ailleurs, une map auquel on reviendra finalement
assez souvent parce que je vous dis, c'est un jeu, je vais pas dire qu'il est monotone, mais malgré tout, on va quand même être souvent un peu perdu. J'ai souvent eu la pression, en tout cas dans mes souvenirs, voilà, donc là on est à la fin du niveau, un peu à la manière de Doom. Hein. Alors pareil, on a le score, à la alors là c'est complètement Doom. Les secrets, la mission en elle-même, les aliens. Alors, j'ai pas tout tué. On a des passwords pour chaque niveau. Donc, ça, c'est vraiment appréciable si on veut pas utiliser un slot de la memory card. Donc, ça, c'est vraiment bien. Donc, voilà, votre objectif est de localiser la salle principale et d'activer, ah oui, les panneaux de contrôle. Donc, ça, comme dit, il faudra vraiment regarder à chaque niveau et à chaque... Oh, putain. Et à chaque mission parce que... Bah, ce sera nécessaire pour sortir des niveaux tout simplement. Alors après, le jeu, il est franchement difficile. Moi, il m'a toujours... étant gamin, il m'a toujours fait peur. C'est un jeu qui m'a toujours foutu la frousse. Les aliens qui courent de partout. On est dans le noir. Alors, je sais plus... je sais plus si on peut allumer la lampe. Non. Bah, on peut la trouver pour l'allumer, je crois. Pour être un peu moins dans la pénombre. Après, c'est pas un jeu qui est exempt de défauts. C'est clair que si on est fan de la saga Alien, bon bah là, vous êtes à la bonne enseigne. Franchement, vous avez un jeu, qui est parfaitement respectueux de la saga Alien, même si il adapte. C'est pas l'adaptation en fait au niveau film. C'est... Alors, il y a toujours eu un petit problème quand on est dans les escaliers. C'est pas comme dans Doom. En fait, nos tirs, ils partent tout droit, ils partent pas vraiment vers le haut. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi quand vous jouez, parce que ça, c'est pas forcément, c'est pas très instinctif, on va dire. Alors, on va peut-être changer d'arme. Hein. Ah oui, merde, mais j'ai pas trouvé d'autres. Ah oui, c'est vrai que je me suis pas mis toutes les armes, quel con. Quel con. Vous voyez le puiche qui veut tricher à foison. Alors parfois, hein, on est un peu. Au niveau des défauts, ça vise parfois mal. Dans les escaliers, faut bien prendre en compte que dans les escaliers, ça vise pas bien du tout. Donc, il faut faire attention à ça. Ensuite, le jeu est tout de même vraiment très, très... Putain, il y en a un dans mon dos, là. Oh ! Attention ! Saloperie ! M'approche pas, saloperie ! Ah, voilà, crève. Alors, les animations sont pas trop mal, mais vous avez remarqué... que c'est très sombre et au niveau des graphismes, même pour de la PS1, et c'est vrai qu'après la claque, forcément, hein, après la claque qu'a été Doom, c'est vrai qu'Alien Trilogy à côté, les gras... Putain de sa mère. Ah ! Il monte sur la gueule ! Ah, salopard. Alors ça, c'est pas mal, hein. Vous avez vu le... Oh, putain. Alors, vous ouvrez une porte... Alors, je vous dis pas si vous avez pas beaucoup de munitions. Faudrait que je vous montre... Ah ! Faudrait que je vous montre le temps que ça met de tuer un alien quand vous avez pas... avec le petit flingue. Alors, le fusil à pompe, hein, très souvent... Là, on s'en fout, on a munitions infinies, donc no stress. Mais très souvent, on va gaspiller des munitions juste parce que, comme je vous disais, la visée auto du jeu, c'est pas une vraie visée auto comme dans Doom. Dans Doom, il y avait quand même une espèce d'aide à la visée. Dans ce jeu-là, pas du tout. En fait, les tirs partent tout droit. Et du coup, il faut vraiment bien faire gaffe. Et il vous arrivera très souvent, notamment avec le fusil à pompe, de tirer tout simplement à côté. Et ça, c'est vraiment... C'est franchement rageant, hein, franchement. Là, vous voyez, c'est pareil. Voilà, on monte les escaliers. Alors, il fait un drôle de bruit, hein. Il était pas loin, ce fumier. Alors, attendez. Est-ce que je peux pas mettre la batterie dans le panneau de contrôle, maintenant? Ah non, mais c'est pas pour là. J'en ai pas besoin. Merde. On va passer en bas. Parce que là, on a allumé les trois panneaux. Donc, normalement, on va pouvoir continuer. Donc, c'est un jeu. C'est un jeu pour les fans. Ça, c'est clair. C'est un peu... Pour moi, il est moins bon que Die Hard Trilogy. Qui était vraiment un jeu... D'ailleurs, Trilogy, c'est vraiment un jeu ultra, ultra fun. Pour moi, ce Alien Trilogy, il est moins bon. Ça reste un bon FPS PS1 à l'époque. C'est clair qu'à l'époque, hein, il faisait le taf.
là on a des petits bonus. On va prendre de la vie. Là on a ouvert en face. Il faisait le taf. Il faut mettre au crédit du jeu, c'est l'ambiance. C'est vraiment l'ambiance, on est dans Alien quoi. Ça, on peut pas dire. Après, vous avez remarqué, par rapport à Doom, on est quand même relativement lent. Notre personnage, voilà, met quand même beaucoup de temps à se tourner. Quand bien même on est sur le même, la même console, Doom était quand même beaucoup plus nerveux, beaucoup plus rapide. Alors là, il y a des monstres dans les parages, faut faire gaffe. On va faire gaffe. Alors le radar, toujours, hein. Le radar, c'est quand même stylé, même si des fois, comme je vous ai dit, j'ai du mal à le comprendre. Mais c'est toujours aussi stylé, hein. Le radar, évidemment, emblématique des scènes de Alien le Retour, hein. D'ailleurs, vous avez vu, le jeu prend plutôt Alien 2 comme modèle. Alors. Ah, putain! Je crois qu'il faut retourner à l'entrée, en plus. Merde. Alors maintenant, je suis coincé là. Hop. Voilà. Je crois qu'il faut retourner à l'entrée. Alors là, j'ai déverrouillé Automapper. Donc là, j'ai ramassé carrément toute la map. Donc là, j'ai toute la map du niveau, vous voyez. Alors qu'ils deviennent de plus en plus labyrinthiques, comme je vous expliquais. Hein. Bon, rien à foutre. Allez, on passe. Putain, on a pris cher quand même. Voilà, on est revenu à l'entrée. Et vous avez vu, la première porte, c'est ouvert. On va pouvoir continuer. Donc tout le jeu est comme ça. Globalement, c'est des petits niveaux en général, très labyrinthiques. Mais c'est assez plaisant. Après, évidemment, ça a pris un énorme coup de vieux. Et nul doute que voilà, c'est uniquement par curiosité que vous allez aujourd'hui y jouer. Même si, franchement, une fois qu'on s'est mis à la lourdeur du personnage, et avec quelques petites aides, je vous dis pour moi... Honnêtement, pour moi, hein, le munition infinie, c'est quand même le B.A.B.A. Alors, vous allez me dire, fouiche, mais vraiment. Mais tu es vraiment un tricheur, c'est affreux. Pour moi, c'est le B.A.B.A. Vous faites ça pépouze. Alors, attendez, on va prendre... Voilà. Il n'y avait pas l'automapper ? Si. Pour moi, aujourd'hui, le jeu peut se parcourir encore avec plaisir. Pour peu que vous ayez un peu une âme de rétro gamer. Pour peu que vous ayez envie de découvrir... Alors c'est bizarre, on peut aller cache à la fin comme ça. Bah écoutez. Hein. Ah voilà. Je me disais bien. Quoi ? Hop. Ah c'était pas un espèce de niveau bonus ça. Bizarre. J'avoue que ça, je m'en souvenais pas. La reconquête de la base progresse. Attention les hommes d'un... Ah oui, alors vous allez voir, on a aussi des ennemis humains ou androïdes. Hein, je crois que c'est les androïdes. On a des ennemis androïdes. Là, on va les voir. Donc, on n'a pas que des ennemis aliens. Et vous verrez... Alors, ils sont à chier. Hein. Ouais, c'est des humains qui ont pété un câble. Des gardes de la sécurité. Alors, ils sont vraiment... Voilà, comme je vous disais, au niveau... Des défauts du jeu, il y a une maniabilité lourdingue. Il y a un jeu, bon, extrêmement sombre. Après ça... Alors vous voyez, hein, tant que je monte pas les escaliers, je ne les touche pas. Ça, c'était quand même un très gros défaut. Il y a quand même une bonne dose de violence. Vous avez vu le mec, comme il est parti sur le côté. C'était vraiment pas mal. Mais voilà, dans les défauts, il y a une grosse lourdeur. Et il y a aussi, évidemment, et vous l'aurez remarqué, bah, les graphismes. Voilà, comme je vous ai dit avant, après le choc de Doom, qui a vraiment une réalisation, mais sublime, sur la PlayStation. C'est vrai que ce jeu-là, il est plus qu'en demi-teinte. Il est, pour tout dire, relativement moche. D'ailleurs, si je me souviens bien, hein, dans les magazines de l'époque, justement, il était critiqué. Alors, vous voyez, c'est con. Hein. Il était critiqué, justement... Pur l'aspect graphique. Oh putain. Ah, vous voyez, je touche l'alien. C'est vraiment, on tire tout droit. Je touche l'alien, mais je touche pas les bidons. Donc c'est assez... Ah putain. Ah, je l'ai eu. Donc c'est assez con ça. Voilà. Oh putain, elle m'a sauté à la gueule. Hein.
Donc vous avez vu, bon, c'est pas très très nerveux, hein, je vais pas vous vendre le truc, c'est pas ultra nervous. Hein. Oh, on l'a bien niqué là. Alors j'aimerais bien avoir le pulse rifle. Ah voilà. On a fermé la vanne de gaz. Donc là on va revenir par là. Donc c'est pas, comme vous avez pu le constater, hein, et je vais pas vous raconter de sornette, c'est pas ultra nerveux. Hein. Ça c'est clair. Comme dit, on est très très loin de Doom. Et sur justement graphiquement, heureusement qu'on est dans l'univers Alien. Parce que c'est vrai que sinon, en toute honnêteté, sinon c'est vrai qu'au niveau graphique, c'est pas la folie. Merde. Et voilà, je suis tombé. Alors dans l'eau, on est super lent, voilà. Déjà qu'on est lent en temps normal. Mais ce jeu, moi, ça a toujours été un jeu que j'appréciais. Alors, on va rallumer le courant. Ça a toujours été un jeu que j'appréciais. J'aimais bien y revenir. C'était ma petite... mon jeu en mode petite frayeur. Voilà. Petite frayeur de l'après-midi. On joue. On se fait un petit Alien Trilogy. Après, comme je vous ai dit, hein, j'étais trop en stress. Donc, j'y jouais en permanence... munitions infinies, toutes les armes, invincibles. Avec full cheat code. Voilà, pour être tranquille, hein, pour jouer dans la sérénité. Parce que c'est vrai que si vous y jouez à la loyale, alors même si on trouvera pas mal de soins ou de munitions, ben, oh putain, c'est quand même un jeu où faut faire super gaffe. Hein. Alors attendez, il y en a encore un là. En plus, un alien. Ah! Meurs! Sautez dessus, l'enfoiré. Hein. Bah, à l'époque, ça faisait ton petit effet. Encore une fois, hein. C'est quand même un jeu très connu de la Mega Drive. Après, les développeurs, franchement, ils ont fait le taf. Comme dit Die Hard Trilogy, c'était quand même beaucoup, beaucoup mieux. Après, nul doute que. Appliquer la formule de Die Hard Trilogy Alien, ça devait être beaucoup plus compliqué. Moi, je trouve qu'ils ont eu raison de faire que le jeu soit uniquement un FPS. Franchement, c'est assez logique, mine de rien. On pouvait pas... voilà, on va tout allumer. Voilà. Alors, on est descendu. Moi, je trouvais ça assez logique. En fait, que... Alors, je crois... Il tente que la lampe... On peut l'activer, voilà. Donc, vous voyez, on voit un peu mieux. Et si je me trompe pas, c'est à durée limitée. Hein. Donc, les effets de lumière, par contre, ils sont potables. Les différentes ambiances, ça va. Après, vous verrez... alors, je sais pas si vous verrez durant ce test. Peut-être que c'est un jeu que je ferai en entier une fois en live. Ah, alors, c'est pas ouvert. Il y aura d'autres ennemis. Hein. Il y aura d'autres types d'aliens. Il y aura évidemment des boss, par exemple avec la reine alien, évidemment. Au fur et à mesure des chapitres du jeu, il y aura aussi d'autres cinématiques. Il y aura des petites cinématiques 3D comme ça qui émailleront le récit. Alors ça c'est franchement bien. Honnêtement, c'est appréciable. Alors attendez. Ça voilà, j'ai oublié de vous montrer. On peut à tout moment, comme ça... Tant qu'on en a en réserve, jeter des charges sismiques. C'est en fait des grenades. Hein. Donc ça, c'est des grenades. Alors, il me manque quelque chose. On va remonter. Ok, on va remonter parce qu'il me manque quelque chose. Bah moi, c'est... À nouveau, c'est un jeu du cœur. Ouais. C'est un jeu du cœur. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'y ai joué des heures et des heures, même si, comme je vous ai dit, moi, il me faisait peur. L'ambiance alien me faisait vraiment flipper. J'avais peur de les croiser au détour d'un couloir, là. Ah bah, on est remonté, là. Oh, putain. Alors, j'aimerais bien vous montrer d'autres armes, mais sinon, ce qu'on va faire, on va retourner dans le menu... On va prendre carrément d'autres niveaux. On va prendre d'autres niveaux. Et on va se mettre toutes les armes, tiens, pour rigoler.
Alors, est-ce que ça souffle? Ouais. Ouais, ça, c'est la porte d'avant. Putain. Alors là, vu que j'ai fait le tour, je pense qu'on va aller par là. Merde. Alors, je marche en plein dans le cadavre. Bon, j'ai pas mal de vie, hein, donc... il n'y aura pas de problème. Bah, vous avez une bonne impression du jeu, là. Vous avez quand même... vous avez vu quelques niveaux. C'est globalement... voilà, sympathique, ça passe, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. C'est sûr qu'à l'époque, on était, moi j'étais friand de Doom-like, hein, j'en cherchais forcément. Hein. J'avais Doom, plus tard j'ai eu Final Doom. Après sur la PS1, évidemment, on avait ce Alien Trilogy à se mettre sur la, sous la dent. On avait Disruptor, faudrait que je vous fasse tous les FPS de la PS1. Je les ai quasiment tous eus. J'étais vraiment un fanatique. Il y avait aussi Poed, là. Alors là, c'est un truc de fou ce jeu, faudrait que je vous montre. Ramasser toutes les cartes. Ah ouais, ce niveau, il est chiant. Faut trouver toutes les cartes d'identification. Ça, c'est un niveau, faut collecter, quoi. C'est un niveau, faut collecter des données. Faut être... voilà, faut être méthodique. Faut bien tout ramasser. Il y a aussi des passages secrets dans le jeu. Hein. Alors là, je n'en ai pas encore trouvé, mais il y a des secrets. Passages secrets avec des trous dans les murs... des murs à faire sauter. Voilà, là on a eu ce fumier. Des murs à faire sauter. Donc c'est un jeu, il y a des passages secrets. Hein. Alors, vous savez quoi? On va... il me semble qu'on peut quitter pour aller dans le... voilà, on va quitter. On va retourner dans le menu. Je vais vous montrer un niveau plus loin. Je vais vous montrer l'arsenal. Voilà, et on va prendre... garage. On va prendre la cantine, tiens. Niveau iconique, hein, évidemment. Voilà. C'est un quartier haute sécurité. Tous les prisonniers sont portés disparus. Et leur carte... ah ouais, c'est de nouveau éparpillé dans la zone. Bon, on va continuer ça. Alors, vous allez voir. Donc, fusil à pompe. Le pulse rifle et la méga mitraillette. Donc, ah, et puis évidemment, le lance-flamme. Alors là, ça c'est pas mal. Voilà. Et pour les connaisseurs, on reconnaît évidemment le verre qui se pète à la façon. D'ailleurs, graphiquement, hein, j'ai oublié d'en parler. Graphiquement, moi je trouve, on reconnaît. Alors ça, c'est d'autres renégats là qui nous cassent les couilles. Voilà. Graphiquement, on reconnaît en fait le moteur graphique de Die Hard Trilogy. Hein. J'ai oublié d'en parler avant. Putain, les lumières qui clignotent, j'ai jamais aimé. M'a toujours mis un petit coup de stress. On reconnaît évidemment hein, ben voilà, le moteur graphique. Ah voilà, alors ça c'est d'autres aliens. Voilà. Ça c'est d'autres aliens basés plutôt sur Alien 3, on va dire. Ouais, donc c'est... merde. C'est le moteur graphique d'Alien, de Die Hard Trilogy hein, qui a été utilisé. Et ça se voit dans les éléments 2D. Ça se voit, mais même dans la 3D, j'ai oublié d'en parler. Mais en fait, ça, c'était tellement évident. Et là, quand le verre se casse, ben, on retrouve la façon dont se brise le verre dans... évidemment, dans la partie Die Hard Trilogy. Ben, que ça soit le rail shoot ou que ça soit... la partie en TPS, on est dans le Nakatomi Plaza. Bah écoutez, un jeu, si je devais le noter, combien je lui mettrais? J'avoue que je sais pas trop. Si je devais le noter, malheureusement, c'est pas un jeu où on peut donner une énorme note non plus. Hein. Parce qu'il est sympa. À l'époque, il faisait le taf. Il nous a amusés. Après, c'est quand même un jeu qui a énormément vieilli. Il est aussi, techniquement, il est quand même un peu naze. Ça, faut bien avouer. Alors, ok, on est sur la... alors là, on a celui-là, voilà. Grosse destruction. Même si, vous avez vu, hein, les mitraillettes tirent des salves. Hein. Donc, il n'y a pas de... il n'y a pas de vraie visée auto. Hein. Faut quand même bien viser. Hein. Alors là, on est en mode... voilà, full power. Ah! Là, vous êtes... oh putain! Là, vous êtes full power. Alors, on balaye, on balaye. Alors, les munitions, hein. Attention, faut pas croire. Les munitions, elles partent hyper vite. Hein.
Faut pas croire. Les tonneaux, faut faire gaffe. Après, on sera toujours à quelques variations près. On est quand même aussi globalement enfermé en permanence dans le même type d'environnement cloisonné. Hein. Donc des bâtiments comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas une grande variété de gamme dans les décors. Bon, après, c'est un peu logique aussi. Disons que tout, comme je disais, ça c'est aussi un défaut du jeu. Que globalement, comme vous pouvez voir là, hein, tout se ressemble. Hein. Espèce d'enculé. Il m'a bien bourriné celui-là. Ah, pour une fois, il n'y a pas de monstre planqué. Merde, il me faut une batterie. Il me faut aussi une batterie. On va chercher une batterie. Putain. Putain d'alien. Oh là, il y en a je sais pas combien. On les a tous butés. Alors là, on a vraiment une... Comme je vous disais, là, on a une puissance de feu. De gros marsouins. Ah, je vais montrer un peu le lance-flamme. Lance-flamme, c'est pareil. L'effet, il est pas génial. Hein. D'ailleurs, lance-flamme, il n'y a aucune animation. Voilà, on reste sur une arme comme ça. Après, c'est toujours plaisant de cramer les aliens comme dans le film, évidemment. Surtout avec munitions infinies. Même si, voilà, il n'y aura pas de mort spécifique ou on verra pas les corps calcinés. Hein. Donc ça, c'était un petit peu dommage aussi. Il n'y a pas plusieurs animations ou quoi selon l'arme utilisée. Voilà. Ah, il fait un potin pas possible, lance-flamme. Merde. Ah, merde, tu es retombé. Ah oui, d'accord. On va changer d'arme. On va te reprendre le pulse rifle. Voilà. Alors qu'il peut tirer aussi des bombes. Hein. Il y a un deuxième mode de tir. Hein. Donc écoutez. Ah voilà. On a trouvé un identity tag. Donc ça, on peut pas l'ouvrir. Ça, on y était juste avant. Il me semble. Ah non. Bon. C'est fermé. Donc un jeu moyen. Un jeu à faire pour les fans. À l'époque, bah, ça nous faisait frissonner, ça nous faisait flipper. On se retrouvait dans Alien. En tout cas, je parle pour moi. Moi, je m'y retrouvais carrément même. Ah, putain! Ben voilà, on a trouvé la batterie. Un medikit, ça fera pas de mal. Alors, je sais pas ce qui se passe. Il n'y a aucune porte qui s'ouvre d'un seul coup. Oh, merde. Il y a de la vide qui pète. Ça, on l'a déjà fait. On va aller foutre la batterie là-bas. Alors, faut aimer se balader hein, dans les endroits sombres. Évidemment. Encore une autre batterie, putain. Mets-toi. Alors, voilà. Des petites bombes. Bien comme il faut. Voilà. On va aller voir. Ah, voilà, ils sortent de là. Une petite bombe. Ah bah c'est la fin du niveau. C'est la fin du niveau, mais est-ce que... Alors vous voyez, voilà, ça passe carrément à côté. Hein, donc il faut faire super gaffe. Alors là, vous avez vu, il a éclaté en entier le mec. Donc là, certainement, voilà, mission 20%. J'ai rien foutu, quoi. J'ai rien branlé. J'ai rien branlé dans cette mission. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Alors du coup, voilà, hein, j'ai pas rempli ma mission, donc il faut la refaire. Ça, c'est aussi un peu du n'importe quoi dans le jeu. C'est-à-dire, j'ai mal fait ma mission, donc je peux accéder à l'écran de fin, mais ben, il faut que je recommence. Donc ça, c'est un truc. Ça, c'est aussi un des petits défauts du jeu. Autant nous laisser dans le niveau et nous laisser compléter les objectifs. Pourquoi nous faire refaire le niveau? Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Alors de près, c'est ultra pixelisé, hein. Clair et net que les graphismes, ça aurait mérité un peu plus de peaufinage là parce que voilà, on le fait exploser en entier. On prend sa carte d'identité. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Pour moi, un jeu qui mérite, ouais, il mérite un petit 12. Allez, un petit 12.
Je suis un nostalgique, j'aime bien jouer à des vieilleries. Mais c'est vrai que c'est pas le jeu de l'année, c'est pas le jeu du siècle. Voilà, à l'époque c'était correct. On y a joué pas mal. Mais bon, c'est pas non plus le jeu de l'année. Donc écoutez, on va s'arrêter là. Et puis je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.